Bonjour et bienvenue dans Isaac Afterburst Daily Challenge Plus. Pas forcément dans cet ordre. Et aujourd'hui, Blue Baby qui va jusqu'à Mom. Oh. Et c'est tout. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. J'enregistre ce daily après avoir enregistré quelques épisodes, quelques vidéos normales d'Isaac. Tout simplement parce que j'avais oublié. Je suis pas encore dans la mécanique des daily Afterburst Plus. C'est assez bizarre parce que j'ai enregistré que je faisais plus les daily normaux. Mais j'ai pas enregistré que je faisais les daily Afterburst Plus. C'est curieux. Ça, quoi qu'il en soit, on est là. Ça commence assez bien pour un daily. Parce que tears up. On a des dégâts étonnamment corrects pour Blue Baby. Et surtout tears up pour du Cough Fly. Excellent. Oui. On s'est pas trop pris de dégâts, on a de la vie. Non, c'est un bon début. J'attends de voir comment ça va se pourrir ensuite. Parce que j'ai aucun doute sur le fait que ça va se casser la gueule rapidement. Bordel. Bon, ce sera pas sur ce boss que ça se casse la gueule. Après, c'est Blue Baby, il peut... Ouais. Il peut vite perdre de la vie et ne pas pouvoir la regagner, donc... Est-ce qu'on est en hard? Non, on est en normal. Donc un petit Dark Bomb serait le complément idéal à notre régime. Ok, j'avais pas prévu que ça le mettrait là, le caca, devant moi. C'est pas grave. Toi, t'es bientôt mort, toi. Ok, pin. Pin. Tears up pour la gloire. Oui, parce que pour Ayur, c'est un peu surfait. Pour Ner'zhul, un peu surfait aussi. Mettre la main devant la bouche quand on parle devant le micro, c'est un peu con. Oui. C'était idiot, j'ai perdu du temps juste pour cette blague stupide. La blague, c'était de mettre le poupe devant un ennemi pour qu'il me tire pas dessus. C'était effectivement stupide. Hein. Yeah. C'est bien, je m'en rends compte au moins. Je veux dire, c'est pas mal. Fou. L'esquive en sachant que les machins peuvent te pousser à tout moment. C'est rigolo. Et voilà. Non, ça se passe vraiment bien. Non, je garde ma clé pour l'item room. L'item room qui aura le bon goût de ne pas me coûter d'argent en plus de la clé. Et donc de me prendre moins de points. Si j'ai les deux, bien sûr, je vais voir le magasin. Rapidement. Oui. Exact, c'était la salle secrète. Voilà. Oh, sérieusement. S'en fout. Sérieusement, ils vont plus vite et ils passent à travers les ennemis. C'est insupportable. Et ça, c'est de la merde. Yeah, Pobo. Ça, c'est bien. Ergo, refreshed, protected. Comme après un shampoing. Ah, plus ou moins, quoi. Oh. C'est un item de guppy. J'ai réussi à sortir avant de n'avoir qu'un cœur aussi au passage. Oui, parce que ça nous met un cœur gris, mais si j'étais pas sorti assez vite, j'aurais perdu un demi-cœur là.
savez quoi, hop. Vous vous, vous démerdez, je m'occupe de vos collègues d'abord. Il pousse encore un peu. Voilà, après si on reste prudent, on devrait pouvoir passer le cap. Ah, le problème c'est qu'on va avoir un deal with the devil avec zéro... Enfin, on mourra en le prenant quoi. C'est gênant. Oh là, le rebond magique. C'est très gênant. Après, ce sera peut-être un deal. Et Abaddon, par exemple, on peut le prendre. Hein. Le gars qui a toute confiance en... Oh, c'est un champion, ça. C'est le champion qui fait du feu. Non, c'est le champion qui passe son temps à sauter, apparemment. Non, il fait pas du feu, lui. C'est quel genre de champion, alors? Champion chiant, champion pas chiant. Pour l'instant, c'est le champion, je suis pas chiant du tout, mais... Au point que j'ai pas peur de m'approcher alors que c'est dangereux. Rappelons-le. Ah, en fait, c'est le champion, je fais pas de bombe. La version easy, quoi. Yep. Et bah voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'œil de Bélial. Les larmes possédées. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est quand on touche un ennemi que ça se... que ça fait quelque chose. Yeah. Hop, hop, hop. Je peux pas. Attendez, alors j'ai besoin de me concentrer. Je pouvais pas pousser la bombe. Donc c'est piercing shot. Ce qui est bien. Mais je vois clairement, hein, je suis pas aveugle, l'effet que ça fait quand je traverse une, un gars. Apparemment, j'ai vu une larme faire demi-tour. Ouais. Apparemment, dès que j'ai touché un ennemi, la larme devient à tête chercheuse. Ça a l'air assez compliqué comme effet quand même. Si c'est ça... Ok. Si c'est ce que je viens de dire, c'est bien. Parce que quand on a une ligne d'ennemis, ça chopera la ligne derrière plus facilement. La chance d'avoir une salle secrète. Cool. À côté de la Cursed Room. Mais alors? Non, 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 me touche pas, me touche pas. Je veux que tu meurs. Sérieusement. Ah, il a combien de points de vie ce truc quoi? Et je peux pas ouvrir les coffres parce que j'ai pas envie que ça me sorte genre des araignées ou des conneries comme ça. Voilà. Ouh. Oh le bon. Double. Qui a commandé? Araignée. Ok, cassos. Envie de mourir? Nul. Donc, on évite. Putain, si on avait ça et en plus Spectral Tears, ce serait énorme. Bonne nouvelle, on a la vitesse qu'il faut pour passer. C'est à peu près 1,4. Et c'est une bonne nouvelle. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. C'est encore intéressant, on est dans Cave Zone. C'est pas mal d'avoir ça. Ok, on arrête de tirer là. Oh. On arrête de tirer. Et on prend ça. On est dans Cave Zone à 8:30. Va falloir se bouger un peu quand même. Parce que même si la suite du run après Mom est pas du tout garantie, avant Boss Rush, lui, il peut être là. Ok, j'aime pas être près des ennemis qui peuvent exploser. Une espèce de phobie comme ça, de la mort violente et sale. Non, j'avoue, les larmes de Bélial, si ça fait ce que j'ai dit, bah c'est pas transcendant, mais c'est sympa comme addition quand même.
Ok, alors toi, le poum. J'aurais bien aimé prendre BFF. Mais à ce stade, je pense que la vie est importante. Même si effectivement, je vais probablement me sacrifier le cœur sur le deal with the devil, donc j'aurais pas dû prendre ça. Je vais le sacrifier avant mon cœur, ouais. Oh, là, ça a été parfait. Parfaitement pourri. Je devrais vraiment pas prendre la vie en fait, parce que le boss, clairement, si j'ai un deal, bah, je prendrai le deal, donc bon. Ok, alors. Que quoi? Pardon? Il nous a droppé un. Ok. Ok, donc j'ai une efficacité qui est ce qu'elle est. Et j'ai. Waouh. J'essaie de me concentrer sur le gros en premier. Parce que. Ah, je peux pas repousser les trolls bombes aussi au passage. Parfait. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Non. Bah. Ah, ok, des synchros, parfait. Bon, on peut gagner, on peut gagner. We can win. J'ai trop bien fait de pas rester près des trous. Alors lui, il a deux variantes de balles de balle noires. La variante à tête chercheuse, qui est tout seul, et la variante double qui rebondit sur les murs. Aïe. J'aime aucune des deux. Non, je suis obligé de. Ouh, meurs avant que je meure. Vous savez quoi, on va prendre les deux. Parce qu'à ce stade, j'ai besoin d'aide. Parce que déjà j'ai pas beaucoup de vie et ensuite les dégâts ne montent pas. Rotten Baby peut aider mais. Il faut faire attention de pas sortir là dans ces cas-là. Sinon, on prend le. Comment ça s'appelle? Pas de bombe. Si on sort, on meurt dehors et on réapparaît dans la salle. Et j'aime autant vous dire que vous voulez pas réapparaître dans la Curse Room avec pas de vie. C'est l'astuce. Oh, sérieusement. Les ennemis qui peuvent tirer dans deux directions variables selon le temps qu'il fait, quoi. Car oui, les champignons tirent un peu comme ça leur vient. Bon, tu peux crever toi, ouais, voilà. Ah. Là, je suis pas sûr d'arriver au bout de ce truc et c'est un daily, ça m'embête. Ok. Ok, vous savez quoi? On va laisser le portail faire sa vie. Se fermer calmement. Sérieusement. Vous avez vu la distance à laquelle elle m'a chopé cette mouche? Oh, c'est pas possible. Genre la bombe m'a chopé de tellement loin. J'en reviens toujours pas. Yeah! Bordel, un truc bien, c'est possible des fois. Seul avantage, c'est que Demon Baby est loin dans la chaîne. Et donc, il peut attaquer le boss de loin. Ok. Ok.
Lui, c'est je saute et je te tue, donc... On va... Déjà, on va faire que les mouches, elles aggro. Ça me semble important comme point. Et on va éviter de mourir. Tant qu'il saute pas, ça va, tant qu'il saute, il faut être au taquet. Pour les sauts rapides comme celui-là. Et c'est bon. Non, parce qu'on a encore 4 vies, certes. Mais on a que 4 vies. 4 vies, ça passe très très vite. Surtout quand on se prend des coups. Merci, je sais pas qui, le Mystery Sack probablement. J'aime bien l'alarme qui tourne mais qui arrivera jamais à choper le truc, tu vois. Mais elle essaye quand même. Ok, on est où là? Catacombs 2. On n'aura jamais boss rush, hein. On n'aura jamais boss rush et en plus. On passera peut-être pas Carrion Queen. Mais ça devrait aller. J'avais pas vu, mais elle a très peu de vie en fait. Pour peu que t'aies piercing shot. Pourquoi j'ai pris ça? Dis-moi que c'est. Void. Dommage. Ok, on n'aura pas boss rush. Donc je vais aller chercher mon item room. Et mon magasin. Parce qu'on peut peut-être sauver les meubles. Et là vraiment le jeu c'est pas de faire un score, c'est d'arriver au bout. Du deal, du daily. Lovers, fantastique. La priorité c'était bien sûr le crameur en bas. Olé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi n'utilise-t-il pas Void? Eh bien... C'est compliqué. Non, j'ai rien dedans pour l'instant, donc... Ça ne présente aucun intérêt. Par contre, j'aurais vraiment pas dû prendre le HP, c'est aucune réflexion de ma part, là. Parce que je le prenais après avoir tapé dans le deal, je mourrais pareil, mais j'avais un HP de plus ensuite. On va pas prendre ça. On va pas prendre ça. J'ai ça. Non mais ça je le prends normal parce que c'est voilà, c'est, un, c'est peut-être un truc bien donc j'ai plus qu'à espérer que dans le magasin il y aura un item actif que je pourrais ramasser. Même pas il me sort. Merci l'invincibilité. Même pas il me sort le Steam Sales. Vous avez vu, il y a un petit peu de sang sur le coffre. Astuce, quand vous voyez un coffre avec un petit peu de sang, c'est que quelqu'un l'a laissé là. Le coffre est peut-être plus agressif qu'il n'en a l'air. Soyez prudents, mes amis, soyez prudents. Ok, donc, si jamais j'arrivais à me choper un foutu item à mettre dans Void, est-ce que lui peut me donner des items actifs? Je ne crois pas. Ça m'a augmenté une stat. C'est bien. C'est bien. Vous n'êtes pas d'accord que c'est bien? Vous avez tort. Très bien. Je suis satisfait de cette évolution. Bordel. Ah, j'ai plus de bombes. Bien. Que nous réserve Debswan? Vous le saurez en regardant la suite de cette vidéo. Une item room qui contient un Pokéball. Pokéball qui n'est pas intéressant. On va pas manger Proptosis en Void. On ne va pas faire ça. Proptosis. Proptosis. Oh. Alors ça sauve pas le run, hein, mais ça aide beaucoup. Ça aide très beaucoup. Ça aide beaucoup, chat. Oui, ma bonne dame. Ça aide de façon démesurée. Dès qu'on peut s'approcher des ennemis pour leur en caler une, ils sont morts. Et Piercing Shot marche... Enfin, Eye of Belial marche sur les machins. C'est un vrai Piercing Shot.
C'est passé comme dans du beurre. Non, reste loin. Bombe. Pas une bombe, ça. You are dead, Meurs. Mourez. Ah non, Proptosis piercing shot. Oh yes. Le caviar. Bon, j'ai vu un tinted rock. Je sais que je devrais pas, mais quand je suis... Voilà, je devrais pas prendre la vie quand je suis à 1 ou 2 cœurs. Quand je suis à... Ouais, quand je suis à 2 ou 3 cœurs. Quand je suis à 1 demi... Oui. Prends tout ce que tu peux. Sauf ta peau. Et tout en bas, nous avons... Une selle normale. C'est de la chance. Je vous rappelle, parce que là, ça n'a pas beaucoup été évoqué vu que le run ne s'y prête pas. Mais le fait que le run s'arrête officiellement à Mom ne veut pas dire que le run s'arrête à Mom. Hein? You feel protected. Ok. Voilà, je veux dire, on peut essayer d'aller plus loin que Mom à un moment. Et c'est là que être en vie est intéressant. Holy card, qu'est-ce que... Ok, c'est un Holy Mantle portable. Je voulais être sûr. Est-ce que ça reste d'une salle à l'autre? Non, même pas. Vu qu'il marche qu'une fois, ils auraient pu nous le laisser quand même. Ça aurait été sympa. Mais apparemment, ici, on fait pas dans le sympa. Ok. Push. Je sais que c'est pas une grande idée de faire ça. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de... Rationaliser Void. Et something's wrong. Nope. Ok, alors on va attendre là qu'ils arrivent. On va juste tout déboîter. On est dans Depths 1. Vous savez quoi? Du coup, on va explorer vu qu'on finit les salles très vite. Enfin, on va explorer, on va maximiser notre petit bonus d'exploration. Donc ça peut pas être là. Cherche la salle secrète. Elle peut être là. Est-ce qu'elle est là? Non. Est-ce qu'elle est là? Non, je n'ai plus de bombe. Oui, c'était un peu lazy, j'avoue. War Proptosis, aïe. Ah, il a de la vie? Mais alors? Après, on fait que 7,35 à bout portant. Mais quand même. J'aurais peut-être dû absorber ça dans Void, mais il n'est pas chargé. Donc, problème non existant. Ouais, de la chance. Il serait temps. On a de la chance. Ah ouais? T'as vu ton run? Voilà. Et c'est bon. On est toujours. De toute façon, on n'arrivera pas à 8 lives. Donc, là, pour arriver plus loin, il faudrait soit que le Deal with the Devil nous donne. C'est quand tu veux. Merci. Soit que le Deal with the Devil nous donne l'appel. Soit que. Il y ait une salle de sacrifice ici et qu'on trouve 3 millions de points de vie. Enfin, 12 quoi. Et j'ai des doutes. Sur l'un comme sur l'autre. Push. Ah, c'est luck up les pilules aujourd'hui, hein. C'est con parce que ça va pas servir, mais... Ok, alors avec l'aspirateur au milieu... C'est pas du tout la salle foireuse. Yeah, de la vie! Je ne mourrai pas tout de suite! Hop. Oh, restons loin de ce genre de choses. Ha! Magie! Tu le vois plus. C'était Larry Junior dans... Je suis pas Larry Junior. Non, c'était...
L'autre mob qui se balade en diagonale, je sais plus son nom. Aïe. Zolo, voilà. Ça y est, le cerveau qui... Ah, au fait, c'est Zolo. Merci. C'était il y a 20 minutes que j'avais besoin de cette information. Toujours pas de piédestaux, hein. J'ai pas envie de cramer Void dans le vide, mais... Il y a une item room dans cet étage, hein, quelque part. Hein. Elle ne nous échappera pas éternellement. Il y a une batterie, là. Ah ah, la voilà. Hop, hop, hop. J'ai aucune idée ce que ça fait. Contagion. Bah du coup Power Pill, cool. Contagion, qu'est-ce que ça va faire? Il me faudrait un ennemi pour voir. Ouh. Ça fait exploser dans du poison, c'est cool. J'accepte. J'ai pas le choix, déjà. Non mais c'est pas mal, c'est-à-dire si l'ennemi explose dans un nuage de poison... Pour peu qu'il soit proche d'autres ennemis. Même le feu compte comme ça ou... J'ai pas vu ce qui avait fait le prout. Alors, pof. Et vous savez quoi, on n'a pas d'argent. Donc on va... Ben, on va pas prendre machin. Ok, bon vrai. Ah, ça le fait pas sur tout le monde apparemment. Ouais, c'est peut-être que au début ou que les premiers. Un peu comme le... Toxic Shock de base, c'est qui marche qu'au début de la salle. Bonjour, mom. Je viens te tuer. Es-tu content de mourir? C'est dégueulasse ce que je raconte. Ok. On fait pas tant de dégâts que ça, et elle attaque jamais. Enfin, pas souvent, apparemment, elle attaque quelques fois. Alors, Primo. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on s'en fout, le run va s'arrêter, donc... Deux yeux. Oui, alors, on va pas prendre ça, on s'en fout. Ah. Ouais, c'était un run de merde pour moi. Je suis presque sûr que les gens ont pu aller plus loin, je veux dire... Ah, des 15 000 points! Mais comment j'ai fait 15 000 points dans un run? Les run mom, c'est au moins 20 000 points, quoi! Et j'ai même pas une pénalité de dégâts si élevée. 15 000 points. Allez, montrez-moi les 45 000 qu'on rigole. Voilà, Europa, 29 000. Je pense qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Bah déjà, Boss Rush, c'est 4 000 points de plus, ça fait les 20 000. Mais voilà, 39, quoi. Bon, c'était un assez mauvais daily. Mais il en faut. Et au moins, il est allé jusqu'au bout. Il y a eu quelques coups d'éclat, quelques... Merde. Mais bon, je mettrai pas cette vidéo en ligne. Si. Attention. Pop, 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 pop. Et voilà. Allez, à plus.